Alors copain, on est où là? Ah, dans le village de Beauvoorde. Ah bon, mon copain. Et Beauvoorde, c'est pas un village, c'est deux villages. C'est bien ça. Il y a deux villages dans Beauvoorde. Il y a Wolverhem et il y a Winkem. Wolverhem et Winkem, ça fait ensemble un village et c'est Beauvoorde. On va voir le château? Bah oui, on va voir le château. Puisqu'on a un rendez-vous avec la châtelaine du château. Et pour ce rendez-vous, j'ai mis ma meilleure chemise et je vais emprunter le chapeau de mon copain. Allons-y. Monsieur, la route vers le château, s'il vous plaît. Par là. Ok, merci. Au revoir. Bonjour Madame Julienne, nous voici dans le village de Beauvoorde avec l'ancienne châtelaine du château de Beauvoorde, Madame Julienne, bonjour. Bonjour Ludovic. Où est-ce qu'on se trouve ici? Eh bien, on se trouve tout près de mon mari, c'est Arthur Mergelink, moi je suis Julienne Flips et j'ai vécu 47 ans là dans ce château de mon mari, c'était longtemps. 34 ans sans mon mari, et parce qu'il est déjà mort en 1905. Pourtant, il était très important, il était le bourgmestre ici de ce petit village, Wolverhem. De Wolverhem. Et vous aviez beaucoup d'enfants alors? Malheureusement, on n'a pas d'enfants, mais ce secret, je veux plutôt expliquer quand il y a des visites, parce que vous savez, dans chaque famille, riche, il y a quelques membres qui surgissent de nulle part. Et comme ça, on a aussi mon propre secret. Un secret à découvrir le jour où vous venez voir le château de Beauvoorde. Après vous. Parfait ce jardin. C'est aussi le travail de mon période de mon mari, parce qu'il avait un bon ami, monsieur l'architecte Pinard, Édouard Pinard de Gand, la géométrie, jardin français. Et là, c'est le parc anglais, avec toutes sortes d'arbres, plus de centaines d'arbres ici. Et donc, en été, si vous passez par le château, vous pouvez venir ici, dans le parc, pour manger votre casse-croûte, pour manger le pique-nique. Oui, même vous pouvez entrer la remise, qui est maintenant tout organisée pour même louer, avec une groupe pour faire une fête ici. Tout est possible. Voilà, ici vous avez une vue sur ma chambre à coucher là. Et là, j'ai une vue directement sur mon mari. Voici donc M. Mergelink, le grand romantique, dans sa salle de chevalerie. Oui, il était fier de cette salle, c'est la plus ancienne aussi, mais comme bourgmestre, c'était imposant pour les réunions municipales qui se font place ici, en face de nous. On voit de nouveau les blasons de Briarde et puis de sa femme, qui était aussi très importante. La femme, c'est de la famille de Hertog. Donc, à chaque endroit, il met toujours les trois cornes qui sont la référence du début du château. Nous voici dans la salle bourguignonne. Oui, c'est ça. De ma chambre, on est entré ici. Et ce qui est important ou imposant sont les armoires. Ce sont des armoires à coussins qui viennent du nord des Pays-Bas. Aujourd'hui, dans le village de Beauvoorde, nous sommes à une dizaine de kilomètres
de Hondscoot, donc c'est pas loin de la frontière française. Et madame, vous voyez, dans ce village, il y a plein des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont dans le village. Il y a donc les crêpes de Beauvoorde, il y a beaucoup de sculptures, il y a des poètes, il y a des poésies. Donc on est ici dans la galerie de Madame Moll et elle fait ces sculptures qui se trouvent ici autour. Quelle sorte de sculptures vous faites? Ils sont souvent des enfants parce que les gens viennent avec leurs enfants pour avoir un statut dans leur jardin. Uh-huh. C'est pour ça que tu vois beaucoup des enfants. Uh-huh. Et donc ils ce sont des bronzes. La plupart est en bronze. Et on va terminer notre émission ou notre reportage avec, à l'endroit où on termine toutes nos reportages, ça sera avec une petite bière, ici, dans un bon estaminet.